dire d'avoir procédé aujourd'hui à la signature de quatre contrats de dons dans le cadre de l'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, pour un montant total américain. Ce montant est alloué pour la réalisation d'un centre de transformation de hanches et pignons. Le projet d'aménagement du centre de transformation de canne à sucre à Grande-Bequin, qui sera exécuté par l'Organisation des jeunes en action pour le développement socio-économique des zones frontalières et financé à hauteur de 105 000 $63 américains. Il vise à renforcer la capacité de fabrication des produits dérivés de la canne à sucre et augmenter les revenus des milliers de producteurs de canne à Grande-Bequin, section communale de Millevalley. Ce centre de transformation de canne à sucre, nouvellement construit et équipé de moulins à moteur et de chaudières, sera géré par l'association et mis à la disposition de tous les agriculteurs de canne de la zone et ses environs. L'exécution du projet d'aménagement de l'école communautaire mixte, l'ERDIS de Campeche, financé à la hauteur de 103 000 salles. À travers ce projet, l'organisation qui gère l'école communautaire mixte l'ERDIS de Campeche envisage d'améliorer les conditions d'apprentissage de 149 élèves actuels de l'école par la construction de 6 salles de classe appropriées, munies de mobilier scolaire nécessaire, répondant aux normes pédagogiques et sécuritaires du ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle école sera dotée également d'un bloc sanitaire et un réservoir d'eau qui assureront de meilleures conditions sanitaires des enfants. Le projet d'aménagement de l'école mixte communautaire Bon Berger sera exécuté par l'association de planteurs La Belle-Mère Pignon, financé à hauteur de 100 633 $ américains. Ce projet permettra à l'association de construire un nouveau bâtiment de 6 salles de classe et une salle administrative, respectivement munie de mobilier scolaire et administratif, d'un bloc sanitaire doté d'un espace de lavage des mains au profit des 235 élèves actuels et des 35 nouveaux élèves qui intégreront à l'école mixte communautaire Bon Berger. Directeurs non étatiques du centre, qui se propose d'améliorer les conditions d'apprentissage des 155 élèves et 80 élèves additionnels à travers la construction de nouveaux bâtiments de l'école. À l'instar des deux autres projets éducatifs précédemment signés aujourd'hui, le bâtiment nouvellement construit sera doté des rampes d'accès aux bénéfices des élèves à mobilité réduite. Dans le souci de favoriser leur intégration sociale et respecter leur droit à l'éducation. Comme vous le savez tous, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base reste l'un des grands défis auxquels doit faire face non seulement le gouvernement, mais aussi les responsables locaux. Très engagé à cet effet. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Japon, que j'ai l'honneur de représenter, se fait de devoir d'appuyer des engagements communautaires comme cela en vue de consolider les droits fondamentaux inhérents à toute personne humaine. À cet effet, j'espère vivement que les travaux de construction. Avant de terminer, je voudrais féliciter les quatre organisations ici présentes aujourd'hui pour leur volonté et engagement manifesté en vue de créer les meilleures conditions sociales au sein de leur communauté. En rappelant que cette collaboration est l'expression de la solidarité et de l'amitié entre les peuples japonais et haïtiens, je forme mes meilleurs vœux pour la réussite de tous ces projets
et attend de vous revoir bientôt à l'inauguration. Mon cœur exalte de joie et toute ma communauté est en fête d'avoir ici pour la signature du contrat de don pour le projet d'appui à l'implantation d'une unité de transformation de canne à sucre à Trianon. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie en mon nom personnel et au nom de ma communauté pour ce projet si important pour ma communauté qui a une bac pré-nettoyage qui facilite 80% des impuretés, un séparateur de chauffage à 600 degrés Celsius, d'opération et la charge de travail pour un meilleur rendement et une meilleure qualité de produits dérivés de la canne. Monsieur l'ambassadeur, je suis reconnaissant de votre appui à l'organisation car les produits dérivés de la canne seront une valeur économique considérable tant auront l'opportunité de boire leur canne à sucre à temps. C'est un plaisir renouvelé d'être aujourd'hui à vos côtés pour la signature du contrat de don pour la construction de l'école mixte Aimé Césaire. Cette cérémonie marque une étape importante pour répondre au problème de l'inadéquation de l'infrastructure scolaire actuelle, à la densité d'élèves au niveau des salles de classe et l'environnement sanitaire de l'école. Donc, la construction attendue de tous permettra à toute personne à mobilité réduite d'accéder aux salles de classe et offrira un lieu de travail de qualité pour le personnel enseignant et les enfants. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les conditions et la qualité du travail éducatif réclament un cadre d'accueil attrayant. C'était notre panier scolaire. Dieu soit loué. Avec ce don précieux de l'ambassade, la générosité du peuple japonais et le travail assidu des techniciens de votre institution, notre rêve est concrétisé. Encore une fois, cette cérémonie symbolise la priorité que votre institution accorde à l'éducation des enfants en Haïti, un pays où le taux d'échec scolaire est de 30% au niveau des trois premiers cycles fondamentaux, ce qui représente 76 162 enfants par an. C'est un chiffre considérable qui révèle les conditions difficiles de l'apprentissage des enfants haïtiens. Selon Vygotsky, un socio-constructiviste, le milieu implique l'apprentissage sur cette base. Une fois achevé le projet, ce sera un lieu d'épanouissement, de solidarité, de fraternité et du vecteur de réussite des plus grands nombres d'enfants. En prenant la parole au nom de l'Organisation sociale pour le développement du plateau central, OSODEP, développement du plateau central, OSODEP, vous n'êtes pas sans savoir que toutes les sociétés qui veulent développer devraient être accordées en place prépondérante à l'éducation. Autrement dit, devraient rendre l'accès à l'éducation à toutes les couches de la population. Et cette éducation, qu'elle soit socio-politique, professionnelle et culturelle, elle devrait constituer le moteur du développement et c'est la raison pour laquelle fait partie intégrante de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, comme tant d'autres besoins primaires de la population qui sont considérés comme des droits inaliénables. En Haïti, beaucoup d'efforts ont été déployés que l'État haïtien, que nos partenaires internationaux, en citant à titre exemple les peuples japonais,
via son ambassade, voit son ambassade, qui n'a jamais marchandé son aide pour élever les niveaux de l'éducation, soit dans la construction ou soit dans la réhabilitation des nouveaux bâtiments scolaires, répondant aux normes exigées par l'État haïtien et en dotant certaines institutions scolaires des matériels et ou équipements offrant des formations pour les maîtres et c'est dans ces combats pour l'offre scolaire que l'ambassade du Japon va nous octroyer un don de 103 546 $ américains afin de nous aider à construire école communautaire la Odyssée de Campeche, 6 salles de classe et acquisition des bancs et des tableaux, etc. C'est pour nous ce matin un grand honneur d'être présent dans l'enceinte de l'ambassade du Japon en Haïti en vue de contresigner un contrat dont le don relatif à l'aménagement de l'école communautaire Bon Berger de Pillon. Il faut souligner que cette institution existe depuis plus d'une décennie et l'effectif des élèves n'a cessé d'augmenter. Or, espace disponible à désirer dans cet ordre d'idées qu'après avoir soumis un document de projet à l'ambassade du Japon en Haïti qui, après maître d'analyse, décide de nous accompagner à réaliser ses rêves si longtemps caressés. Le peuple du Japon, par l'intermédiaire de son ambassade, qui aménagera aucun effort pour accompagner le peuple haïtien dans des projets de développement et améliorer les conditions de vie de la population, accepte de donner un don et une contribution dont vous avez attendu tout à l'heure à l'association des planteurs de la Belle-Mère à Pla pour construire un bâtiment scolaire composé de 7 salles dont l'une réservée pour la direction avec tous les normes que cela réclamait. Il n'y a pas seulement des bâtiments, il y aura aussi les mobiliers. Il faut citer 80 bancs, 12 tableaux, 9 bureaux et 9 chaises. Grâce à cette contribution, nous pouvons dire au fort que la qualité de l'éducation de la communauté La Belle-Mère va être améliorée car les coûts vont dispenser dans un bon environnement répondant aux normes d'apprentissage, les professeurs vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour donner le pain de l'instruction. Dans le mois de juin, nous t'ai rencontré avec Fédération 1 ici hein, et nous t'avons transporté sur les lieux, nous t'avons fait une visite, constat de nécessité pour que les zones soient électrifiées et à partir de là, nous prenons engagement et nous accouchons projet aujourd'hui hein, et nous n'en pas plus main. Et son projet qui coûte nous 2 333 000 gourdes, qui prend nous, qui sont 1,5 km de route, qui prend nous 16 poteaux, 3 transformateurs et 6 lampes de rue. Et nous pensons que nous pourrions ajouter lampes de rue pour que les zones soient plus éclairées parce que les paysans sont sortis très tôt le matin pour qu'ils aillent vendre le marché ou bien pour qu'ils aillent à l'école.
semaine qui s'est passée là, c'était coupé à Chambon 2 et côté que nous inaugurer un projet et similaire et je ne jeudi hein, où il a été un prix. Est-ce que le cadre de projet Chambon 2 a li partagé avec et Greffin côté nous là? Et Chambon 2 hein, c'était pour que nous prenions courant fait ça pour nous monter pour qu'on vienne aller avec et nous déjà annoncé que courant c'est 4,7 millions de gouttes de la pied. Donc pratiquement dans même cadre de travail là avec support et appui et ministre là et dans cadre objectif et gouvernement Moïse Lafontaine, donc question infrastructure, question électrification, question route, question l'école, donc c'est des priorités que y a et y était déjà inclus dans programme et conseil là qui là, donc on avancé là dedans. Chambon 2 c'était trois transformateurs et plus passer 27 poteaux et pour projet ça c'est 16 poteaux, 3 transformateurs, 6 lampes de rue. Mais est-ce que nous gagnons et consommation et on dit et pour population hein, et lié au nombre de combien transformateurs que nous mettons, combien capacité yo? Bon là nous connaît que gagne 350 familles qui pourraient bénéficier et évaluation technique ça c'est pas nous qui faire c'est EDH. Donc on attend que moun yo aller connait faire prise de compte pour permettre que travail là li capable ça course dit nous là que capable gagner en termes d'information, mais ça qu'une garantie nous connaît que gagne 3. Maintenant, quel est le message pour la population et pratiquement maïsra? Message là, en pile, moun perdu la vie déjà dans transporter courant avec fil à ligaturé. Je vous le dis, on a encouragé tout le monde pour qu'à travers la fédération, à travers l'association qui existe là, pour qu'ils soient capables de faire l'islam, pour qu'ils soient capables de permettre que l'IDH vienne bailler au compteur normalement. Ok, merci. Je vais connaître le dernier mot autour de l'activité. Ça, c'est qui ça? Bon, c'est moi pour remercier vous et appel là qu'on y a, on a demandé moun yo pour que vous payiez et pour que vous capable joindre plus service et pour permettre que l'autre moun yo capable bénéficier de courant tout. Hey, de magistrat Saint-Roch pour me accompagner dans Chambon. Côté justement tu une cérémonie similaire qui t'a fait de c'est la première fois qu'on t'a privé dans zone là. Et là encore c'était sous initiative et mes magistrats alors mairie de Pétionville. Et malheureusement, pour des raisons indépendantes de volonté, je n'ai pas de cas arrivé là. Mais je dis, hein, je suis arrivé délibéré de toute obligation que je gagne pour être là. Et c'est ça. Et je dis, hein, présence, moi, c'est pour féliciter et appuyer une telle initiative. Parce que je dis, hein, comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ma côté magistrat avec équipe, qui ont une belle équipe qui fait déplacement, gagne. L'autre membre de la collectivité territoriale là qui l'a tout gen membre gen notable communauté à qui l'a et qui d'une seule voix appuyer valider sa cap fait là courant pendant nous là yo parlé de l'autre doléance tout l'autre besoin que yo gen yo parlé de l'école mais priorité des priorités c'est route là accès à route et m'a rappelé pour téléspectateurs téléspectatrices cap gardem auditeur auditrice radio télé Guinée cap gardem cap tandem que route courant l'école ça fait partie justement de grand priorité que administration Moïse Lafontaine que nous gagne. Donc jodi an nous là m'balab men fait des promesses vaines jodi an nous vinn bat bravo avec belle initiative ça comme ministre de l'Intérieur. Nous prenons acte et certainement nous allons continuer à appuyer la mairie de Pétionville pour l'autre initiative du genre Cap-Gué pour le fait. Et certainement nous-mêmes nous allons continuer à pousser avec revendication peuple François. Alors qui donc collectivité ça capable et jeune appui ministère intérieur et grandement dans le cadre on dit projet ça qui vient pour avancer pratiquement. Mais certainement, et c'est Wall même, c'est Wall fonds de gestion des collectivités territoriales et de développement des collectivités territoriales que justement que n'a géré. C'est Wall ça que de concert avec toute fédération FENAM, FENASEC, FENACA et FENADEVI, c'est avec ces Wall justement pour nous faire que collectivité vienne pidiam chaque jour. Et moi-même je dis ça, administration Moïse Lafontaine, c'est vision, c'est credo, route, courant, l'école, agriculture, entre autres énergie, infrastructure, c'est ça même que le président de la République l'a prôné chaque jour. Et justement, nous-mêmes, comme première fois, nous avons un magistrat qui prend responsabilité
et qui vient mettre courant pour nous dans Chambon D. Et ces bagages m'ta cadeau, c'est tout le monde qui est content, même les petits travail avec quelques types bagages qui pour qu'on finisse. Mais nous souhaitons magistrat nous qui problème même gagner ces grand route sorti et l'anglade là qui pour descendre passer Chambon D, Chambon Caviar, Chambon Malik, c'est route ça nous te besoin pour nous te parler. Magistrat dit nous alors nous comprendre route contre Chambon, mais grand route là sous ta état route là me connons passer là-dedans ouais qui est allié. Moi t'a remet pour caravane là passer pour ta passer dans zone ça pour nous ouais route là parce que mesurer route là 4 fois ou t'a pas jamais carré disait. Mande pour qui ça et yo mesurer route là 4 fois puis pas capable réaliser. Ok, par ailleurs, nous connaissons ce courant et qui a fait actualité je ne veux dire, et ou même courant rivé la Kaou Chambon 2, et qui on dit qui comment nous recevoir projet ça et dans la localité nous avons vivre de manière difficile. Moi c'est un bagage nous recevoir en quai. Parce que nous pas de jambe courant dans Chambon, moi d'où c'est magistrat. C'est et même là quelque côté pour en pas arriver mais nous ça t'il fait parce que nous ca acheter peut-être quelque monde qui ca acheter fil qui arriver mais magistrat dit la ba nous l'autre la prolonger pour nous nous dit bon Dieu merci parce que et bon Dieu magistrat t'est venu ouais nous comment état nous était il t'est réalisé pour nous nous accueillir projet ça avec un pile joie parce que en effet t'es un gros problème là ca route dans zone là ouais imagine les petits machins yo a sorti à 1h du matin 2h du matin pour y aller vendre Pétionville avec tête gridap y a pour mener dans route là qui mettez vie en jeu donc jodi a son gros pas qui fait et grand pile zone qui gagne en jeune courant nous espérons vraiment que projet a continuer pour plus moun jeune courant dans zone là mais qui donc ou gros message que tu es capable lancer à l'endroit de moun tout pour et yo capable remplir formalité pour et on dit continuer et rester dans projet ça qui c'est pays courant oui youn nan bagay nous même n'a fait dans fédération espoir pour le progrès d'Haïti c'est déjà enregistrer famille yo et sensibiliser yo pour yo cap prendre compte de façon à ce que pour nous bien utiliser et courant parce que courant dans zone c'est un bon bagage mais si nous pas bien gérer le comme ça il va bloquer l'autre monde tout pour une possibilité pour gagner courant la caillou donc c'est ça nous même n'a fait dans fédération pour nous sensibiliser et inciter moun yo pour qu'a prendre compteur pour nous bien gérer courant dans zone Bellevue la montagne là. C'est que le président était toujours manifesté volonté pour vraiment revitaliser le secteur agricole là. Et il y a une filière qui est très importante et que le bail important, c'est la filière juria. Donc dans le cadre de filière ça, le président était manifesté désir et il était avec aide de Taïwan pour que implanter des centres semenciers devant produire près de 20 000 tonnes de semences par an. C'est ainsi que nous avons sélectionné trois zones à eux. Gagner l'Artibonite au niveau de l'ODVA, côté de mon centre qui fonctionnait déjà, mais que nous parlons upgrade pour arriver à produire 12 000 tonnes. Nous gagnons le deuxième côté, c'est la zone nord-est, là nous avons Maribao, côté nous comptons côté. Ils ont compté produit 3000 tonnes. Donc, pour nous lancer le programme, ça, le programme, on a commencé à planifier, le programme de près de 20 000 tonnes de semences par an, un programme qui est capable de gagner un coût d'environ 29 500 dollars américains avec une contribution environ de 29 500 000 dollars avec une contribution de près de 5 millions de dollars de la part de l'État haïtien. Donc, première visite de prospection ambassadeur, c'est aujourd'hui, parce que il était déjà présent dans la Tibonite, il est présent dans le sud, particulièrement à Tobet. Donc, aujourd'hui, ambassadeur vient faire visite de prospection, puisque le programme là, ça c'est déjà fini planifié. Nous pouvons passer à atterrissage programme là, donc c'est ça qui justifie visite ça aujourd'hui. Nous, visite là, depuis matin, nous faisons un pile rencontre, nous rencontrer et secteur privé dans le domaine de la riziculture, nous rencontrer secteur privé, nous avons fait
sénateur Diakito que nous avons visité, qui a fait un travail expérimental sur environ 100 hectares. Nous avons rencontré des exploitants également rizicoles. Et avant que nous venions là, nous avons fait une visite dans une ferme de Cisal avec la fondation Cisalco. Donc, Fondation César Cosa, Ligue comme membre et président en chambre de commerce et Taïwanais haïtien. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que nous te font passer là. Nous, le ministère de l'Agriculture, censé encadrer Fondation Sato à travers l'UPISA, unité de la promotion des investissements dans le secteur agricole. Mais vrai objet visite là, je dirais, et peut-être ambassadeur pour le dire mieux, c'est ambassadeur Taïwan qui devine faire première visite de prospection avant qu'il lance le grand projet de production de 1000 tonnes de semences de riz à l'hectare. Lors de notre passage à Taïwan, il y a eu un sénateur qui a été à Taïwan. Le gouvernement taïwanais nous avait promis une assistance pour l'éducation, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Donc, nous devons assurer le suivi avec l'ambassadeur. Hein. Et c'est peut-être dans le cadre de ça que inscrit visite ambassadeur pour venir faire état des lieux et voir qui gens que nous avons fait suivi avec deux pays. Yo. Je fais un plaidoyer pour ça pendant que je suis à Taïwan, non, parce que moi-même, j'ai profité de présence pour te faire une potentialité nord-est hein, et en matière de dans filière rizicole, là, qui gagne 12 000 hectares cultivables, dont 2 000 seulement en exploitation, 10 000 pour qu'on vraiment aménager. Donc, ça fait que j'ai un grand jeu ouvert sur le département nord-est hein, pour insérer dans la coopération de pays. Dans l'air. Donc, je suis parce que au fond, et un pays tant que Haïti essentiellement agricole, toutes gens qui ont camarades, toute génération qui a venu poser, touche pas la donnée, ils mettent fel parce que tout Haïtien, nous tous mangeons chaque jour et on achète tout de l'extérieur. Donc le moment est venu que une génération qui prêtait attention, beaucoup plus d'attention à l'agriculture et surtout avec type de coopération que a offert nous là, le Taïwan, le Vietnam, etc. Donc nous vraiment commencé à jouer des partenaires qui voulaient mettre main avec nous dans la barre là. Parlez de production, nous, sénateurs, dans la ferme agricole là. Au niveau de production, nous travaillons. Moi-même, m'a volé de mes projets depuis l'on commencé et n'attend que l'État vienne. Et le président Préval, nous sommes gérés le TFM Cadon tracteur, et puis ils font plaisanterie avec moi, je dis, bon, un tracteur pour tourner sénateur. Donc je dis, on va faire faire président, pas inquiète. Je dis, à quoi qu'il est absent, et je m'a cité, non, je ne pas déranger, mais je suis avec le sentiment que le TVM pour me gagner en bataille. Donc bataille pour l'agriculture, tu es capable de recamper normalement, montrer la mi-chemin. C'est la première visite, mais bon. Je suis très impressionné par cette région du nord, du nord et du nord-est. Parce que selon l'explication du ministère de l'Agriculture, je connais que maintenant il y a à peu près en total 12 000 hectares de terrain à développer, surtout pour notre semence, production de semences de riz pour les trois prochaines années. Donc je suis venu la première fois, mais avant moi, il y a déjà une équipe de notre mission technique agricole qui a effectué un voyage, une visite d'étude dans cette région du nord et nord-est. Et c'était le 23 au 24 janvier et avec nos experts de notre mission à Artibonite. Donc après, tout de suite après cette visite, ils ont fait un rapport de l'agriculture sur le terrain pour visiter, pour voir comment on peut préparer le projet pour démarrer.
parce que avec notre objectif pour l'avenir, c'est cette région, c'est-à-dire département du Nord, du Nord-Est, il faut produire la quantité de semences s'élève à 5000 tonnes de semences de qualité.